Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play Genshin Impact épisode numéro 5, épisode 5. Ça fait un petit moment, je le dis, ça fait un petit moment que, ça fait deux jours je crois, non, un jour et demi que je n'ai pas posté de Let's Play, alors c'est censé être toujours, je suis désolé, j'étais un petit peu occupé. Je prépare quelques petites vidéos, quelques petites shorts et tout, et des fois ça prend de temps, donc je suis désolé, j'étais, puis j'ai des trucs aussi à faire hein, dans la vraie vie, donc dans la vie. Donc c'est sûr que, bon, désolé, excusez-moi. On va partir sur un épisode un peu plus long que d'habitude, je pense. Chaque fois, c'est vers 30-40 minutes. Là, je pense que ça va être 57-58. Voilà. Je pense que ça va être plutôt 59. Mais bref, une heure de vidéo, tout simplement, pour vous récompenser, si je peux dire, d'avoir resté pendant deux jours et demi sans... Oh, petit chat. Deux jours et demi sans vidéo. Voilà. Sachant que je pense qu'il y a des gens qui se sont pas inquiétés, mais quand même quoi, c'est un peu chiant ce que j'ai fait, mais voilà. Je marche sur un chat, il y a plein de chats ici, ils sont mignons. On était parti du coup pour la quête, pour voir je crois les soldats ou un truc comme ça, non. Théo, je crois qu'une dame te fait coucou là-bas. D'accord. Donc on va prendre ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à rejoindre mon Twitch T-E-O-K-N-G-C d'être tout attaché, ça fait plaisir. Et voilà. Bienvenue à la guide des aventuriers. Ça fait un moment que je garde un œil sur toi, Catherine. Comment ça? Est-ce que Théo a fait quelque chose de mal? Pas du tout, c'est mon boulot de repérer les aventuriers prometteurs. Je peux voir que tu as tout ce qu'il faut pour être une aventurière légendaire. Moi aussi je le vois. Je me suis toujours senti en sécurité avec Théo depuis qu'on a commencé à voyager ensemble. Je n'en doute pas, mais l'expérience est encore plus utile que le potentiel. Ce n'est qu'en faisant le plein d'expérience que le niveau d'aventure augmente. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Laisse-moi vous présenter notre guide. Attendez, vous voulez dire que des vrais aventuriers à partir de maintenant? Qu'on est des vrais aventuriers, pardon, à partir de maintenant? L'adhésion à la guilde est gratuite et nous n'impose pas de responsabilité à nos membres. En gros, il n'y a que des avantages à nous rejoindre, d'accord? Je veux les avantages tout de suite, d'accord? C'est simple, la guilde te récompense dès que ton niveau d'aventure augmente. Prends ce cadeau de bienvenue. Oh, sympa. D'accord, dis donc. Nous te souhaitons à présenter la bienvenue à la guide de nos aventuriers. Si j'ai pas envie, je te peux t'accepter ton... On a aussi droit à un guide. C'est une brochure. En quelque sorte, mais ça te serait utile. Aussi utile. Tu pourrais retrouver les quêtes que tu auras accomplies pour nous et les récompenses obtenues. Bien évidemment, c'est aussi mon nom que j'aime bien évidemment. C'est aussi une preuve d'appartenance à la guide. Excusez-moi, je dis très très mal. C'est terrible. Ah, une dernière chose. Il t'arrivera certainement d'être coincé à un certain niveau d'aventure. Quand ce serait le cas, il faudrait accomplir de prouesses pour se forger une réputation auprès de la guide. Des prouesses? Ça veut juste dire qu'il te faut accomplir des quêtes spéciales pour passer au niveau supérieur. On les appelle les quêtes d'élévation. D'accord? Enfin, ça viendra plus tard au fur et à mesure que tu gagneras de l'expérience. C'est tout pour aujourd'hui. On aura tout le temps de discuter une autre fois. Vers les étoiles et au-delà. Non, mais ça, c'est vers l'infini et au-delà. Ça, c'est une petite référence à Buzz l'éclair. D'accord. Bah, d'accord. Il fallait que je parle, je crois, au forgeron. Mais je sais plus où ils sont. C'est génial. Ils sont pas vers là, je crois. Excusez-moi, je comprends pas chaque fois que touche. Et ça va se faire, je pense. Oh! C'est quoi là? Comment c'est? Changer un radiant 4. Je sais pas à quoi ça sert, mais là, tiens. Ah, ils sont là. Bonjour. Excusez-moi si je vous lis. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais une arme. Je voulais une arme pour Paimon. Bah, allez, c'est mignon. Tu veux que je me batte maintenant? Et puis quoi encore? Elle est petite, alors il lui faudrait une arme sur mesure. Ouais, il fabrique des armes sur mesure.
Bien sûr, je vends les armes et les fabrique sur commande et m'occupe de leur raffinement. Le boulot d'un forgeron, quoi. Ça doit, ils connaissent pas bien. Ramenez-moi du minerai et je m'occupe du reste. Où est-ce que je peux en trouver? Partout. Vous m'avez l'air paumé. Non, paymon. Alors, je vais vous indiquer où trouver des morceaux de fer, pas loin. Une fois que vous les avez trouvés, revenez ici, je vous ferai ce que vous voulez. D'accord, merci. C'est là pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Mais du coup, tu m'as pas dit vraiment. Non, mais en fait, moi, j'ai envie d'acheter. C'est pas une arme? Dis tout, wesh. Non, merde! Excuse-moi. Allez, si ça t'intéresse. Ah, bah voilà, ça joue. En gros. Un acte de chasse. Lance du débutant. Oh, en fait, s'ils vont pas grand chose, en plus, c'est pas cher. Enfin, franchement, c'est quand même plutôt cher, mais nous, pour nous, c'est pas cher. Ils me disent toujours qu'il y a des trucs à quoi là. D'accord. Ils me disent toujours qu'il y a des trucs. Non, là je vais jamais. Ouh. Oh, t'es nu. Voilà, vous savez, là, à chaque fois j'oublie de chercher des trucs comme ça. C'est important. Je crois que vous, les gens qui... Parce que je sais qu'il y a un mec qui joue à Genshin Impact, il doit s'y connaître un peu mieux que moi, c'est sûr. Et je pense qu'il est en train de dire « Mais pourquoi Théo, il fait pas ça parce qu'il fallait... Merde, il a le côté à chaque fois, il n'y va pas. » Mais je suis désolé, Léa, mais je me connais pas encore bien au jeu. Ah, ce sont le torse du pêcheur. Ça vient du bon chasseur. Oh, manger. Calmez-moi le... On va manger. J'ai même commandé un torse du pêcheur et un bon chasseur. Il y coupe et tout. Tu payes, bien sûr. Bah... Non, moi, je paye, mon. Je paye pas. Bienvenue au, au bon chasseur. Comment puis-je vous aider? À propos de ce qu'on a... C'est pourquoi on n'a pas apporté? Bien sûr. Voici le menu. Oh. Ah, c'est du poids cher, c'est cher. C'est ça qu'il voulait, non? Achetez. Toi, c'est du poids cher. Incroyable, merci beaucoup. Après, c'était quoi aussi, je crois, je sais plus. Ah. C'était quoi qu'elle voulait aussi, Paimon? Et voilà. Niam, trop bon. Tu l'as bouffé? Je le mets un toast du pêcheur au monde. Ça peut te paraître étonnant, mais il s'agit d'une recette moustadoise. Putain, c'est encore plus compliqué. Moustadoise traditionnelle que tout le monde peut faire. Tu pourrais essayer lorsque tu auras tous les ingrédients nécessaires. Ouais, mais je peux faire acheter, mais non. Ton plat pourrait-il surpasser celui du bon chasseur? Je pense au prochain épisode. Je serai ta goûteuse personnelle. Ne me déçois pas. Non mais tu t'es fait que pour une fois, hein. Je vais pas donner à bouffer moi non plus. Hein. Là. Du coup, est-ce qu'on l'a réussi ou elle a bouffé? Je crois qu'on l'a réussi quand même. On l'a en effet. Ça donne pas vraiment... Oh, augmente la légende de tous les personnages de l'équipe de 107. Oh, pendant 300 secondes, elle n'applique qu'à vos personnages en mode multijoueur. Oh merde. D'accord, mais ça se nourrit aussi, si les personnages est mort, je peux l'utiliser. Mais je sais pas si je vais marcher. Bonjour madame. Bonjour, je peux faire quelques pour vous. Pardon. J'espère que vos voeux deviendront vite réalité. J'ai oublié de me prendre mes 1 mètre de distance. Je... Chef, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Je veux acheter de la nourriture. Du coup, je... pour cuisiner, juste un peu apporter au restaurant. Ça fait longtemps que mon mari... est lassé de ma cuisine. Vous êtes une voyageuse? C'est impressionnant. Bah non. On raconte qu'il y a différents styles de cuisine à Liu. Allez visiter cette cité si vous en avez l'occasion un jour. D'accord. Alors, il dit cette fois si c'est trompé ou pas. Ah, il y a un truc là. Putain, j'y vais sans façouer. Ah, c'est vrai, pour téléportation, on en a pas. Ah, c'est vrai, il fallait que je le fasse justement. C'était le truc, mais j'avais oublié. Voilà, voilà, maintenant on a un pot de téléportation. J'aimerais bien en avoir un là aussi.
Il est là-bas. Il faut absolument qu'on ait des téléportations un peu partout, surtout pour la ville. Parce que je pense qu'il y aura des trucs là et en plus on peut commander à bouffer, il y a un truc de guide et tout. Je pense que les quêtes, je sais pas s'il y a des quêtes secondaires un peu. Enfin, genre il y a des personnages qui disent hey, apporte-moi des grenouilles ou un truc de ce genre, tu vois, c'est pas sympa. Je pense que ça peut être super sympa. On va monter les escaliers. J'aime beaucoup ce jeu, hein. Franchement. J'aime beaucoup ce jeu. C'est là. Ah, dis pas que c'est à l'intérieur, par contre. Non, c'est pas l'intérieur. C'est derrière, je crois. Oh, les graphismes, ils sont quand même géniaux. J'aime bien. Merci bien. Ah, il y a la dame qui s'entraîne encore. Oh, un petit chien. Bah, il est là, normalement. Il est où le téléportation? Dis pas qu'il est en haut, mais non. Salut toi. Le pauvre. Il était un peu bugué. On va essayer de monter. Oula, je suis où ça, la pauvre. Je le filme ses parties intimes. Ça se fait pas. On peut pas se reposer, hein? Non. Genre là, voilà, on se repose un peu, on prend l'endurance. Oh, le château incroyable là-bas! Je le vois bien. Ah là là, c'est quand même un très très bon jeu. Mais ouais, je sais que ça faisait un jour et demi. Je vais essayer de le faire pratiquement tous les jours, mais voilà. Mais là, je pense que vous en aurez même deux ce jour. Après, ça dépend où je vous parle. Là où je vous parle, on est mardi. Et je pense que cette vidéo sera donc postée mardi. Hein. Je vais pas la mettre mercredi quand même. Mais c'est mardi à 14h01 d'ailleurs où je tourne cette vidéo. Peut-être que si vous voyez cette vidéo, putain, il est là. Si vous voyez cette vidéo, il était chaud. Hein. Si vous voyez cette vidéo, il est peut-être 17h, je sais pas. Non, je pense qu'il va être 20h. Je pense que je vais poster cette vidéo à 20h. Je sais pas, j'en ai aucune idée en fait. Je dis vraiment des bêtises, hein, mais je pense pas. Hein. Point de téléportation, bah voilà. Je sais pas qu'il est vraiment. Ah, j'ai raté des pots de téléportation un peu partout. Montagne du quai. Oula. Là, il y a un truc là qui a l'air sympa. J'aimerais bien y aller. Là aussi, sachant qu'on n'a pas tout exploré là-bas. J'aimerais bien partir vers là, vous voyez. On va aller là, mais je suis sûr que même elle va faire. Eh non, t'as pas le droit de partir ici. Ok, voilà. Et c'est là où il y a l'île. Vous voyez. Et si, je pense que c'est là où on va partir en bateau. Je crois que c'est là. Ouais. J'aime bien partir voir là. J'aime bien me téléporter un peu. Mais bref. Donc là, on peut. Est-ce qu'il y a des petits trucs sympas? Oh, il y a un coffre. Oh! Oui, il y a un truc là. C'était sûr qu'il y aurait des trucs. Stylé. Ouais, c'est un peu comme des Kourougous en gros. Bah, les noix de Kourougous, c'est jeune. S'ils disent que la. L'odeur fait que l'odeur est mauvaise, c'est vraiment comme les coups. Ok, minerai de renforcement. D'accord, est-ce qu'on peut ouvrir les portes? Non, on peut juste. D'accord. Je pense que je vais mettre elle là. Je vois si on peut pas ouvrir les portes. On sait jamais, hein. Je pense qu'on va se casser un peu. Là-bas, il y a des maisons. Je vais même partir vers là-bas, mais je sais pas où c'est complètement en rapport à la carte. Alors, attendez. Ah, si, je sais pas où en fait. J'aimerais bien y aller. Je pense que c'est. Je sais pas si on va avancer des quêtes. La Payman a envie de me dire un truc. Je sais pas comment on fait pour voir ça. Je crois que c'est celle-là. Payman. Ouais, tu traverses un peu mon aile, mais. Je pense que c'est moyen. Guide d'aventurier. Voilà. Donjon. Comment on fait pour que Paimon nous parle? Paimon. Elle a dit qu'elle peut nous dire un truc, mais je sais pas. Je sais pas si on avancera l'histoire sur cet épisode. Je pense que. J'espère quand même. Mais le truc, c'est que j'ai envie d'explorer. J'ai pas envie de faire l'histoire des fois. Enfin, sur cet épisode, j'ai pas envie de faire l'histoire. Après, je sais que c'est l'histoire, c'est important. Je sais pas ce qu'elle fait. Il y a une tour là-bas, j'aimerais bien y aller. Je sais que l'histoire, c'est important et tout. Mais vous voyez, là-bas et tout. Bon, je sais que Payman, elle va faire.
Ne va pas là. On n'a pas le droit. Il y a un radeau. On va essayer de conduire après. Ça a l'air plutôt sympa. Je sais pas si j'aurai assez d'endurance. Peut-être. Ouais. Il faut pas que je saute comme ça. Oui. Parce que là, du coup. Bon, on n'a pas les dégâts de chute. Oh non, là, je pense que c'est faisable. Ah non, peut-être pas. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable, en effet. Ah oui, un coffre. Oh mon dieu. Mais c'est tellement sûr qu'il y a des trucs comme ça. C'est drôle. Il y a quoi là? La pauvre, je me moque d'elle. C'est pas gentil. C'est quoi ça? Je sais pas que j'ai pas raté de trucs. Je pense que j'ai dû rater des trucs. Hein. Ma maman se date, je pense que c'est dans la vie de là-bas. Ah ouais. Je sais pas quoi ça sert ça. J'ai vraiment pas que ça sert un peu, ça se coupe. Il y a des trucs là. Oh, des pigeons. Coucou les copains. Oh, c'est horrible, je viens de tuer un. Oui, ils s'en allaient pas donc. Examiner. Waouh, 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 des radis. Il n'y a pas un qui est tombé. Ok, il y a un truc là-bas. Examiner encore. Encore un radis, dis donc. Ils aiment bien les radis, hein. Oh, des pommes, des. Oh! Ça, on n'est pas obligé de les casser. Le pauvre, il se fait à chaque fois avoir son œil. Waouh! Elle avait fait un saltoir, je rêve! Oh non! Oh mon dieu! Je suis bête, j'ai même pas vu l'endurance. Ok. Bah, c'est bien parce qu'au moins, elle se noie comme, comme Link. Trempé. Je peux pas conduire ça, sérieux? Enfin. C'est dingue. Bon, c'est pas grave. Alors, on a sorti des petits trucs là. Je sais pas s'il y a un truc à examiner ici. Je pense pas. Non, c'est même rendu. Il y aura un truc brillant dans ce cas. On va prendre lui pour une fois. Je pense qu'il est sympa. Gay. Ah, pardon, il y avait une dame. Monsieur, pardon. Une autre journée banale. Vous avez besoin d'aide? Non, non, je vous assure, ça n'est rien. Je voudrais bien le savoir aussi, bon sang. Qu'est-ce que je fais ici? C'est un traître? Je garde la porte latérale de votre aide par laquelle personne ne passe. Ah, vas-y, vous pouvez vous moquer de moi. Je sais que c'est pathétique comme boulot. Ha 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 ha! Mais si je disais ça? Si je disais, vous allez voir quand mais sûr que je suis. J'ai commencé mon entraînement de chevalier à 8 ans, l'escrime à 10 ans, pour devenir écuyer à 16 ans. Je suis la fatée de ma famille et c'est le genre de travail qu'on me confie. Garder une porte quand on est chevalier de l'ordre de Favonius, ça n'a pas de sens. Bref, de toute façon, vous avez rencontré des soucis récemment. En tant que chevalier, je pourrais peut-être vous aider. Non. Ah. Et si juste, excusez-moi, si juste je dis ça, au revoir, et ne dis pas, n'hésitez pas à venir me voir en cas de besoin. En fait, oubliez ça, vous ne pouvez pas rappeler de, vous ne vous rappellerez pas de moi. Bon, on va essayer de le voir la prochaine fois, si ça change, si le soir, la journée, il est là, parce qu'il fait un peu. Ouais, pardon. Ne me mets pas des mains sur moi, en fait. C'est une joie de vous rencontrer, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parlez-moi de vous. Je suis capitaine de César, en fait, on s'en fout. Allez, c'est bon, je sais pas pourquoi j'étais dans ma dessin, puis je fais que parler. Blablabla. Là, c'est bon. Alors, je trouvais Kenya vraiment fort parce que c'est vrai que le système de téléportation comme ça, je trouve ça vachement stylé. En fait, c'est vrai que je pense que comparé aux autres, il est vraiment nul. As-tu entendu ce qu'on a rapporté? Mais pour mon niveau, c'est bien, je pense. Ce qu'on a rapporté les espions, apparemment. Oui, tu peux dire de toute façon. D'accord. C'est vraiment, tu vois, des gens méchants. Hein. Tout ira bien, ne t'en fais pas pour ça. C'est sûr, il y avait un truc où genre, on fallait le prendre en flagrant délit. Team Alchimiste. C'est ici. Terre et eau, vent et feu, aide-moi à fabriquer ce que tu veux, un petit champ. Ah non, non, merci, c'est bon. Je pense que ça nous servait un truc pour une quête et tout, mais non, merci, pas maintenant. Et voilà. Ce soir, waouh! Dis pas que j'ai eu des trucs, je pensais que je pouvais. C'est bon? Merci bien. Ah d'accord, on fait comme ça pour une chaise. Genre, en gros, on fait comme ça, et là, on se lève comme ça. Est-ce qu'on peut se lever de l'autre côté? Ça serait cool. Oh, oh là là.
Ouais, tu te fais avec le Justin là, comme là quand tu tournes. Je savais pas. Bon, je pense que c'est bon. On va essayer de se téléporter. Ah, à chaque fois je prends le pad. Ah, je prends à chaque fois le pad pour m'aider pour faire la carte, mais ce n'est jamais ça. C'est pas les bonnes touches. Du coup, on peut pas se téléporter là. Écoutez. Oh. Ah ouais, je peux pas me téléporter là pour l'instant. Écoutez, on va se... On peut se téléporter là. Non. Se téléporter? Ah, on peut se téléporter. On va se téléporter de là. Et je vais voir si du coup on peut potentiellement... Je pense que c'est voilà. Ça va être une longue vidéo de pas grand chose, je pense. Je crois qu'on a déjà fait quasiment 20 minutes. Non, pas toi. Je crois qu'on a déjà fait 20 minutes là. Bientôt la moitié. Non, qu'est-ce que je parle de où là? C'est par là, je suis bête. Mais je veux juste voir quelque chose en fait. C'est juste parce que la fois Pamela elle a fait non 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 non. Mais maintenant qu'on a sauvé, on a ouvert les une la porte du vent là. Est-ce que vraiment il y a des tours? Est-ce que là, maintenant on peut? Ah, est-ce que maintenant on peut ou pas? Ouais, je t'ai vu toi. Hein. Fais pas. Je sais pas. Ah. Toi, est-ce qu'on peut pas vendre un sprint? Ah, on peut sprint! Oh, oui, je vais te découvrir. Oh, non, pas toi. On peut sprint. Ah, des tours. Oui, je sais que je pouvais casser une sorte de silex. Hein. C'est pas silex, mais. Est-ce qu'on peut attraper le papillon? Oh, oh non, on pouvait attraper le papillon, j'ai pas eu. Il est où? Il y a des trucs là-bas qui volent, mais bref. Ouais, c'est très fantastique hein, quand même. Hein, comme bon. Enfin, fantastique, je parle de, du monde. Hein. Pas du je sais pas quoi. Il y a ah mais vous, eux ils font vraiment peur. Ah, on va utiliser ça. Est-ce qu'il aura pas eu, vous croyez le truc? Non, je pense pas. Hein. Ah, c'est sûr. Ça c'est vraiment, par contre ça c'est vraiment une bonne idée. La porte qu'on a fait, ça c'est la porte pour débloquer Lisa. On va pas la refaire. Hein. Oh, un sanglier, je suis un sanglier. Je sais pas si c'est un sanglier. Salut. Ah merde, je pensais que j'avais une épée. J'ai un cru. Oh, ça rapporte pas mal. Hein. C'est vrai, on va peut-être la louer. Parce que lui en combat, il est vraiment bien, je trouve. Ah, on peut passer par là. En avant vers un nouveau endroit. Ah, vous voyez une autre porte. Ah non, c'est pas une porte. Je sais pas ce que c'est. Non. En avant vers un nouveau endroit. Ça, j'ai pas été, je pense. Hein. Ça me dit rien. C'est quoi ça? Oui, il faut une clé. Utilise la clé. Sortir des professeurs de Mondstadt. Oh merde. Il y a un coffre. Il y a un coffre un peu légendaire, j'ai l'impression. Oh mon dieu. Oh, tous les coffres. Une marmite géante. Oh, l'île, on la voit là-bas, je crois. Oh. Faut tous les tuer. En vrai, on y va ou pas? Oh! C'est pas possible! Ah, c'est bon, ils m'ont vu. Non? Je sais même pas s'ils m'ont vu. Allez, il est quand même bien. Ouais. On va prendre elle. Allez hop, tac, tu dégages. On va utiliser ça. Parfait. Tu dégages. Ils sont nuls. Ils sont. Enfin... Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Je. Ils sont quand même résistants. Je sais pas que ça va pas fait tellement écho. Ils sont quand même résistants. Hein. Baffe de blob. C'est dégueulasse. Oh non, il en reste un là. C'est-à-dire que là, il faut que je fasse ça. Coucou.
C'est bon, il est mort. Tombe, merde, j'ai oublié. Et on ouvre ça. On a des bugs sur les petits trucs, là, ça peut être sympa. Ok. Excusez-moi. Là, des petites pommes. Et là, des sortes de bave et de blob avec des bave de blob. Ouais. Ok, ok. Maintenant, on va essayer de se faire eux. Je vais juste donc la tac. La tac et la lisa. Ouais, ok. C'est qui a le plus avec. Avec elle, je sais pas laquelle est la plus. Non, c'est elle qui a le plus. Ok. T'en as plein la tête. Ouais, la musique, c'est la même. Waouh! Pourquoi tu m'as tapé comme ça? You're in for a little shock. Come a little closer. Don't be such a brute. Je sais pas utiliser là. Je n'ai pas été nu. Le coup. Je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe. Elle est utilisée elle parce qu'elle est quand même forte. Voilà. Coucou toi. Non, je suis bête. Cuisiner, oui, on peut cuisiner. Ah, elle est quand même forte alors. On va utiliser lui. Allez, toi tu dégages. Ok, ils m'ont vu, hein, c'est bon, on a compris. Bonjour. Blitz. Ça fait pas beaucoup de dégâts en fait, hein. Mine de rien. Ouais, je sais pas que toi tu vas m'aider. Je vais vous mettre quand même. Allez, viens. Allez, viens. Tiens. Tornade. Oh non, j'aurais dû faire ça avec les as, putain. Et yeah, tu danses toi, mais frérot. Ça aussi, ils sont bêtes, hein. Come a little closer. Toi, tu vas mourir. Toi, t'es moche. En plus, c'est trop nul au jeu. On va utiliser toi. On alterne un peu de personnage, c'est bien. Ça fait toujours du plaisir. Oula, je suis bugué. Heureusement. Heureusement que je suis pas bugué. Ouais, lui, il est bugué, par exemple. Ah non, même pas. Eh, waouh. Eh, t'arrêtes, hein. J'ai plus beaucoup d'HP, en plus. Ah, mon Dieu. Voilà, waouh, ça régène beaucoup ça. Là, regarde ce que j'ai. Hey! Et qu'est-ce que? Voilà. Oh non! Ouais, c'est avec son attaque, je vais que son attaque est pas ouf. Allez! Aide-moi! En fait, elle m'aide pas, hein. Elle danse. Mon Dieu! Mais elle m'aide vraiment. Ah si, quand elle explose, elle m'aide. Ok, heureusement, hein. Let's spark things up a little. You're in for a little shock. Come a little closer. Ouais, c'est pas grave, c'est juste que des fois je. Ok, lui j'ai tué, je pense que je vais garder pour après, si jamais. Allez, allez, allez! Non, mais ils sont vraiment chiants, eux, hein! Attaque spéciale! Allez, dernier coup! Voilà! Enfin! Et je crois que j'ai libéré le coffre. Non, 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 il y aura des blobs qui vont sortir, c'est sûr. C'est pour ça que je regarde lui. Oh mon Dieu.
Niveau 18, c'est quoi ça encore? Non, toi t'as l'air chiant. Oh mon dieu, tous les PV qu'il a! Il danse. Mon dieu, ça va être vraiment chaud. Ah, je crois que c'est pas mon niveau. Parce que, oui, ils vont. Que je sais pas. Si je me souhaite bien. Oui, ils m'attaquent pas, ils sont chelous. Oh, tous en même temps. Oh là. Et des bonhommes. Allez, on va arrêter et on va mettre eux comme lui, comme ça, quand il explose, il pète tout. J'arrive pas à viser avec ce machin. Bah oui. Oh mon dieu, je l'ai mis dans la tête. C'est bon. Oh mais non, mais... Waouh, ça le met pas mal de PV, mine de rien. Allez, tous en même temps. Ah, je pense que une fois que les bugs sont finis, ils vont m'attaquer. Défi échoué. Oh, il y avait un temps. Ouais, on a fait. Bon. Bah, on va se casser, hein. Oh mon dieu, on peut pas. On peut pas. C'est quoi ça? Bonjour. Ouais, il faut attendre, mais je pense que c'est pas possible. Ouais, je pense que j'ai été vraiment nul là cette fois-ci. Ouais, en plus ils sont forts, putain. C'est justement pour ça, hein, ils ont un gros niveau. Hein. Allez! Oh mon dieu, ça c'est fort. C'est quand même fort. Voilà. Ouais non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, patate. C'est la guerre. Comment te tuer toi? Ah, c'est chaud, je peux pas. Ouais, elle est fatiguée. Oh, elle est morte. Mais non, c'est une blague. Ah, c'est une blague, j'espère. Bon. Mon dieu. Non, je me suis trompé de touche. C'était... Si je peux ça... Ah non... Bon, bah Lisa est morte. Lisa est morte, ce que je vois. C'est un peu con. Comment on fait pour... Ça, rien ne peut être utilisé. Je sais pas comment on fait pour la donner vie. Je pense qu'il faut attendre. Hein. Ok, donc on va cuisiner. Là, il y a une marmite là. On va essayer d'aller dedans après.
Mère, je crois que j'ai oublié de récupérer les trucs. Cuisiner, wow. Donc ils m'ont dit ça. Avec. Ouais, mais non. Ce qu'il faut encore avec un truc. Tu vas me dire que c'est bon? C'est bon, tu vas me dire? Ah ouais! En effet, et maintenant c'est simple. Ok, d'accord, ok, il faut faire cuire. Et là, putain. Et on va donner une petite pomme. Voilà! Ah, parfait! Ok, je crois qu'il y a d'autres pêcheurs là-bas. Bon, déjà on les a fait. Je pensais qu'en fait ça allait tous les tuer. En fait, si je les tuais tous, ça allait débloquer tous les coffres. Mais je me suis bien trompé. Niveau 18, c'est mort. Et, je crois que j'ai même battu des niveaux 18 parce qu'ils étaient quand même très très longs ces coquinus là, ces mobines. Donc je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que là, la reine, c'est pas pour moi maintenant. J'ai pas des personnages encore assez forts. Je pense que je peux les améliorer là, mais. J'ai niveau 12 et autres, je crois qu'ils étaient niveau 18. Ça y est. Après, je pense que ça veut rien dire. Hein. Je pense que ça dépend des protections, des attaques. Si on fait ça au bon moment, si on se protège bien, si on fait ça, voilà. Mais un papillon. Je sais plus comment on fait pour l'avoir. Mais ouais, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Ouais. On a perdu beaucoup de temps, mais. Bon, ça m'a permis de découvrir aussi. Et s'il n'y avait pas eu ça, ma Lisa serait pas morte. Et du coup, je n'aurais pas appris la cuisine. Même si au premier épisode, j'avais appris et tout, mais. Oh putain, j'aurais dû le prendre. Mais voilà, oh, putain, il y a une faille. Comme par hasard, où je vais là, il y a une faille. Ah non, c'est un truc d'air, c'est ça? Ah, ça peut être sympa. Parce qu'il y a une montagne là-haut. Je crois que c'est ça. J'ai peut-être une idée. Ouais, mais... On va essayer les attaques. Voilà, bon. Si je lance un peu n'importe quoi. Je sais pas comment on fait. J'ai peut-être une idée, mais. Je sais pas, pomme de pain. Pomme de pain. Merci bien. Pomme de pain. Ah, non, je crois que c'était une pomme de pain. Alors, on va monter ça, mais elle a plus d'endurance. Toujours, je sais quelle idée, c'est important. Ok, on voyait tout. 14h27. Ah, il y a un coffre par hasard. Ouais. J'ai peut-être une idée. Dis pas qu'ils m'ont forcé. En plus, c'était une bonne idée, je pense. Je pense que ma vie c'est plutôt une bonne idée. Je vais tester une nouvelle fois quand même. Non, je pense pas. Je pense que c'est bon. C'était prévu. Mais tiens, il y a encore un nouveau coffre. Il chuchote feu. Matsuki. Bah dis donc. Il y a des coffres un peu partout. Hein, ce que je vois. Waouh. Tac. Allez. Ah, je suis plus dangereux. C'était sûr. Allez, régénère tout. Merci. Mon frère rigole. Bim.
où je suis. Non. Où je suis. Oh mon dieu. Oh bah à côté du. Non. Ah mais c'était ça. Ah non, c'était des cubiques là. C'est un boss, ça c'est sûr. Mon dieu. Niveau 36. Ces créatures se protègent derrière sa carapace. Les attaques ne sont pas efficaces que lors de son noyau alimentaire. Ouais, il faut les dire. Oh mon dieu, c'est bon, c'est mort. Oh mon dieu. Pourquoi on voit comme ça, c'est avec un boss. D'accord. C'est pas ouf tout ça. J'ai envie d'aller la montagne là-bas. Ça, ma manette vibre, je crois qu'il me pourchasse encore. Ouais, il m'envoie encore des petits trucs. Non, mais c'est bon, ça va. Je t'ai déjà oublié. Alors, nous allons tout de suite voir la carte. Et je crois que nous ne sommes pas très loin. En fait, il faut. Je me fais la même erreur. Il faut, d'accord. Mais non, mais je peux pas nager dans le truc. Il faut vraiment un bateau. J'ai jamais fait la quête, je sais pas si la quête est là. Enfin, la petite histoire, oh mon dieu. Ils sont fort. Non, ils sont méchants. Je vais faire comme ça. Ah non, mais ça vise pas très loin. C'est immense. Niveau 15! Ils sont balèzes, hein. Ils sont balèzes. Oh. Et tout, partout quoi, c'est impossible de pas t'ennuyer. Oh mon dieu. Il va m'envoyer des boules là. La montagne est vraiment belle. Hein. Oh mon dieu. C'est pas possible. Hop, bonjour. Merci bien, c'était très gentil à vous. Oh mon dieu, quoi. Oh. Oh là là, tous ces méchants, mais c'est dingue. Oh. En fait, le niveau 18, c'est que je me bats à chaque fois, mais le problème, c'est que. Oh. Oh non, pas toi. C'est quoi ça? Ça va me rejeter, ça va faire comme tout ça, ça va faire. Eh, je peux pas baser. C'est sûr, c'était sûr. Non, pas toi, pas toi, pas toi. Non, c'est bon, c'est bon. Arrête. C'est bon. Tiens, je te donne lui, il est gentil. Oh, bonjour, madame. Mais tu vis à côté des méchants? Madame! Non, d'un combat. Là, je ne fais pas un combat. Je sais comment poser cette bagarre d'enchantement, mais avec autant de monstres dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, venez m'excuser, j'étais dans la lune. Je suis Livingstone. Oui, c'est quoi, non? Aventurière professionnelle. Après avoir passé autant de temps dans cette vallée infestée de monstres, j'avais perdu tout espoir de rencontrer un être humain. Un autre être humain. Vous devez sûrement... Bah, en fait, pas. Vous devez sûrement être une de mes consoeurs. D'accord? Notre homme qui soit... Je m'en fous. Mais comment faire? Je me suis encore perdu dans les pensées. Oui, tu vous. Pourquoi pas tant pis. Ah oui, ces épées et les trésors. Ouais, mais d'accord. Mais des sauts. Oh non, en fait, ils vont. Ouais, je pense que ça va être une petite quête ou alors il faut vraiment. Et autre dispositif, oh mon dieu. Si je passe comme ça, je sais que c'est pas assez dommage. Vous êtes désolé pour moi, c'est ça? Vous ne voyez pas. Désolé, c'est un mot. Il se peut la connaître d'un aventurier. Ouais, mais... On va passer toute la nuit à faire ça. Merci bien. Bah, voyons. C'est... D'accord. Oh, mon dieu. C'est sûr. Hop. On se casse. Oh mon dieu, je crois qu'il y en a encore un.
ce mot, il y aura que des... Oh mon dieu. Ah non, il y a un coffre. Je crois que c'est un coffre. Opening a chest is like unwrapping a gift. Yes. Ça aussi, ces villages, ils sont ouf, hein. Champignons. Mutsaki. Je pense qu'on va bientôt terminer là dans une dizaine de minutes. Hein. Je suppose qu'on va se terminer. On va terminer cet épisode où on aurait fait une aventure. En fait, on aurait été vite fait à mon stade au début. On aurait été voir des personnes, des personnes et tout. Là, on a été battre un croc hein, quand même. Hein. De rien, mais même si on a échoué pendant. Oh putain. Niveau 10, ça va, je te aise en fait. Salut! Oh, tu téléportes. Vraiment. Breath of the Wild, merci. Si c'est comme dans Breath of the Wild, c'est pas sans se m'inquiéter. Oh, c'est le bouclier. Sauf que toi, t'es plus facile que dans les. T'es plus compliqué que dans les Breath of the Wild. Ouais, je pense que je peux la faire, mais c'est juste son bouclier est chiant et je vais perdre. Ah, tu vas pas me lâcher, c'est ça? Mon dieu. J'ai pas. Non, j'ai pas de pouvoir encore. Parce que lui. Ah, lui, il va bientôt avoir un pouvoir. Ah, mais c'est possible ça. T'arrêtes, hein. Ah, mon dieu. Il va me suivre tout le temps. Il va me suivre tout le temps, c'est ça? Merci bien. Ok, on se rapproche de la montagne. Oui, je sais que c'est mon but. Wow. J'espère qu'il y aura pas Pokémon qui va faire. Je vais avoir froid, il faut avoir une tunique contre le froid, c'est ça? Oh mon dieu! Ah bah tiens, en feu, comme par hasard. Ils n'ont plus qu'en électricité, et voilà. En deux fois aussi. Et puis là, on pouvait aller voir le coursier. Chute de température. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle s'appelle Nilou, ouais, ça. Oh, incroyable. Chemin d'Ion. Je pense que j'ai froid. Tu peux te manger? Non. Ça vous dit que, en gros, je vais en aller autour. On va se garder ça pour le prochain épisode. On va se garder une vue comme ça. J'ai peur de tomber. Voilà. On va se garder ça pour la prochaine fois. Voilà, très très bonne vue. Pour la prochaine fois, les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode numéro 5. Je crois. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Il y a des pierres qui volent là, je vois la montagne. Là, surtout à gauche de la montagne en haut, là, il y a une pierre qui... Il y a deux pierres qui volent. Okay. Les amis, on va se laisser là. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode sympa. Hein. Ouais, je sais qu'il me reste 10 minutes avant de faire une heure, hein, mais bref. Voilà, c'est pas grand chose. En fait, j'ai froid là. Je suis en train de perdre de l'HP, je suis en train de me dire. J'ai peur. C'est la température. Ok, voilà. Bon, j'espère que... Alors, on va se donner la future. J'espère que vous avez aimé l'épisode numéro 5. N'hésitez pas à voir mon Twitch. À vous abonner à mon Twitch. T-E-O-K-N-G. Si d'être tout attaché. C'est simple. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela, en fait. Hein, dans cela. On roche les 40 000 abonnés. On a 32 000 abonnés. 7800, je crois. Je vous remercie infiniment. Et voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Bye.